Bon, tu veux quoi en J'espère que fait? vous allez bien. Si c'est Abidjan et La Abeur, il me France pose entière super s'en bien. fout. Le coucou Didier, Debado lui Koulibaly Koufa s'en fout. s'adresse à Mouloukoukou Merci. Didier et Ozone Est passé. et Kaïna Steel Le pire, et c'est que le casse les pire n'est même papos. pas. Et ce qui s'est passé entre Tu as lui commencé à et s'engueuler Suspect avec Didier. 95. Écoutez. Toi, ton artiste, ton idole était Didier Arafat. Moi, Debado, il chantait déjà avant, bien avant. Jusqu'à ce qu'on se rencontre au Shanghai. Tu as brillé au Shanghai. Quand nous on est arrivé, c'était un problème pour toi, tu t'en sortais plus. Mais lui, c'était là, tu l'as jalousé. Tu as jalousé parce que tous les artistes, Chicane, beaucoup, tout le monde, tu as jalousé. Tu te rappelles qu'on a eu un front, on a eu confrontation, Colo Colonie 2, il n'y a rien qui s'est passé. Il t'a montré que ça peut pas, tu ne peux pas t'amuser, tu connais. C'est-à-dire, par là, Niaga, il t'a montré un peu. Ça, c'était à l'ancienne. Mais il te demande pardon. Cette haine que tu as gardée contre moi, là. Continue de garder cette haine. Arrête de faire semblant et de distraire un peu les gens qui suivent ton émission. Déjà, ton émission, je n'ai passé jamais là-bas. Je ne vais jamais arriver à ton émission. Que ce soit Ozone ou quoi. Ozone, moi, j'ai payé 5 000 pour être parrain dans Battle en 2013, dans Battle de rap. Moi, j'ai payé où les suspects gagnaient là. Moi, j'ai payé 5 000. C'est mon petit Jésus qui te donnait. Tu comprends? À Toba, il faut bien te rappeler. Terrain Sprite, où on jouait basket là. Oui, c'est moi, j'étais parrain. Il lui donnait 5 000, champion. Il lui donnait 5 000, 10 euros. C'est moi qui te donnais ça. Tu n'étais rien. Et puis quand on parle de vrai rap, papa, tu ne peux pas parler aussi, champion. Faut te calmer. Maintenant, Karina Steel, Périssé, ton dossier est dans ma main. Tous tes cartes sans coup. Tout est dans ma main. Je vous demande pardon. Moi, je n'attaque pas femme. Mais Périssé, la dernière fois, j'entends mon nom dans ta bouche. Et la dernière, si j'entends seulement mon nom dans ta bouche, tu ne vas pas croire. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire va te rejeter. C'est-à-dire, quand tu vas passer quoi, tu auras l'impression que tu sens. Tu me connais très bien. Tu auras l'impression que tu sens. Moi, ça ne va pas dans ma tête. Et je vais détailler par A plus B qui tu es réellement. Mais tu demandes pardon, petit c'est. Moi, je n'attaque pas femme. Mais là où on parle de Bordeaux, il faut dire, moi, je ne peux pas parler dedans. Votre émission, ça ne me plaît pas, je ne vais jamais passer parce que vous n'êtes pas en train d'aider les artistes, en fait. Vous réglez vos comptes personnels. Vous réglez vos comptes. Tous ceux qui vous ont frustré, tous ceux qui vous ont. Tous ceux qui vous ont fait mal, vous réglez vos problèmes. Ceux que vous n'aimez pas, vous faites semblant de les inviter juste pour les descendre. On a compris. Mais ne vous inquiétez pas. Comme vous êtes tellement à l'aise, j'adresse un courrier à votre DG. DG de NCI. DG de NCI. Je suis prêt à lancer une campagne de propagande. Rien que pour cette émission. Vous ne voyez pas ça en grande chose. Ne voyez pas de Bordeaux seul. Mais ceux qui sont de Bordeaux, ils sont nombreux que vos trois petits pépins qui passent à chaque fois. Moi, de Bordeaux, mon nom, je ne veux plus entendre ça dans cette émission. Mais quand on parle d'animateurs, là, ceux-là, ce ne sont pas les animateurs. Oui. Et au mirage du quartier, là, ça, ils font. Ce n'est pas animateur, il n'a rien. Quand on parle d'animateur, là, parlez-moi de Willy Dombo. Parlez-moi de Willy Dombo. Vous savez comment Petit a galéré depuis Jam? Depuis Jam, vous savez comment Petit a galéré? Parce qu'il était dans mon école. Hein. Willy Dombo était à Voltaire. On était les vieux pères. Willy Dombo, que vous voyez là. L'enfant a galéré, était mince comme un gros. À cause de son talent. Oui, il n'a jamais mis à plat un artiste. Jamais. Il respecte son travail. Il est fort, il est talentueux. Il est multi, pluridimensionnel. C'est ce qu'on veut voir. Willy Dombo fait artiste. Willy Dombo, c'est un fabriqueur. On a dit, ah, tu vas aller, tu te fier de bois, bouh! Il a pris Fred ici. Donc, on est devant, ah, tu tchaka, bouh! Rosine Layo, bouh! Devoro, bouh! Diribé, bouh! Et tous ceux qui passent à son émission sont à l'aise. Mais vous êtes là. Toi, mon goût, t'avais son, ça n'a jamais marché. T'avais un son, ça n'a jamais pris. T'es fâché. T'es maudit, t'es gris. Mais il y a tes papos. Il y a tes papos. Ça n'a pas commencé maintenant. Tes vrais papos, là, je les garde. Et puis, je t'attends en retour. Tu n'as pas quoi. Et puis, le pire, c'est quand il finit de casser les papos, on se prend dehors encore. Vous avez, il frappe encore, mais de ce va, il a appelé Didi B. J'ai appelé Didi B. Didi B n'a pas dindin. Didi B n'a pas dindin. Il a appelé Zagba. Zagba n'a pas dindin. Zagba le requin. Il a appelé, comment il s'appelle? Samo Samo. Ils n'ont pas dindin. Didi B est arrivé. Le pire, c'est qu'il est arrivé. Encore, il a déployé son arrangeur. Ils sont arrivés.
Ils sont tombés sur juifs. Je suis sorti du studio, m'a dit de fumer ma cigarette, boire un peu, mais qu'est-ce que ça a fumé, mais oui, as. Automatiquement, bam, ce ne sont pas en brûlant. Petit la chanter, il a fini, il a compté, il dit, tiens, non, vieux, vieux, voilà, c'est ça. Les vieux, nous, on prend rien, toi, les vieux. Il dit, lui, prend rien. Zaba dit, hé, nous, on prend rien. Ça me dit, vieux, garde ça, là, pour toi. On veut quoi, ça, les vieux. Nous-mêmes, tu nous as appelé, là, tu nous as aidé. Tu nous as aidé, les vieux. Du simple fait que tu as appelé de notre téléphone, tu nous as aidé. Mais il n'avait pas compris. Arrivé à la maison, je me suis rendu compte qu'en fait, les petits étaient forts, ils étaient sages. Parce qu'en fait, du simple fait que le petit a chanté un mot, ça veut dire tout dit que demain, s'il y a une situation, quelle que soit la raison, moi, il arrive, il tombe en même temps, il ne réfléchit pas. Il n'y a pas dit non, que ouais, c'est quoi, c'est mamie, c'est l'auto, que non, c'est quoi, 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 quoi. Il tombe en même temps, il n'y a pas de mouvement. Il fait le son propre de Aze, je suis prêt à donner tout un album à petit là, parce qu'il a la main sur le cœur. Il y a ce qu'on appelle le respect des aînés. J'ai un son avec monsieur le juif. On a fini de tuer le son propre, mais c'est encore en état squelettique. Je vais appeler dans ce son-là un rappeur. Je demande à mes proches, qui vous voyez? On dit, là-bas, mais pas dit. Après, on me dit, suspect, là, viens tuer. Rapidement, puis on passe à autre chose, on a fini le son. Il est dessus. Il dit, ah, on appelle suspect. Voilà comment on va appeler suspect. Mais moi, de Bordeaux, pour me préparer, j'appelle Defty. Defty, un rappeur qui est de l'admiration, qui est super, très, très fort. J'ai chanté dans le son de Defty, même 5 fois, il n'a pas pris. Defty a chanté dans ma musique, même 5 fois, il n'a pas pris. Je joue le babu, Abomé l'éléphant. Tous les rappeurs de la nouvelle génération, aujourd'hui, quand ils voient des bordeaux, tous déposent. À n'importe quelle circonstance, il appelle les petits là, tout le monde se déplace, tout le monde vient se positionner dans sa soirée, puis chacun rentre chez lui. Ok, on va appeler suspect, on va prendre. Il appelle suspect. Allô, petit, c'est comment dans le studio là? Ah, petit, c'est gâté, hein, petit. Il sent un framponné, son petit, il voit ta couleur, il sent ta couleur. Vous savez, en matière de musique, quand on fait une musique, au fur et à mesure qu'on progresse, la musique change, les couleurs changent. Et arrive une partie où tu bloques, tu ne peux pas faire cette couleur-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais référence maintenant à quelqu'un d'autre qui a cette habitude d'apporter ce genre de couleur dans ses musiques. Raison pour laquelle, moi, de Bordeaux, j'appelle maintenant suspect, parce que c'est sa couleur. Petit, il a pu faire quelque chose là. Un peu suspect. Ah, mais c'est comment? Viens, j'ai dans mon mouvement. Suspect, viens. Voilà comment suspect déconne le téléphone. Ouais, le vieux, c'est comment? Tranquille, il a fait un bain. Yo, petit, tu connais? Là, on a un taco, on a de chanter. J'ai besoin de toi, petit. Sincèrement, ta couleur là, j'ai besoin de ça. Et petit me dit quand même, manger. On va te manger au-delà, c'est bizarre. Quand j'appelle suspect, on est samedi. Samedi, 16h. Ah, les vieux, c'est bizarre. Hein? Ah, petit, c'est bizarre comment? Non, ils sont en train de faire quelque chose. Ok. Vu que moi, je suis là jusqu'au lendemain, vu que je suis là, écoutez-moi très bien, vu que je suis là jusqu'au lendemain, ça dit de 16h jusqu'au lendemain à 16h, moi, ici au studio. Petit, quand est-ce que ça peut? Voilà comment le petit va me livrer. Elle dit samedi, il me dit mardi. Elle dit, on est dit samedi. J'ai 24 heures pour chanter. Ça dit, lui, suspect là. Tu lui dois aller chanter là. C'est pas dans les 24 heures là. Ça dit, on est 16h. De 16h au lendemain à 16h, lui il est tellement occupé, hein? Lui il est trop occupé. C'est lui le trop camarade et ado, lui il est trop occupé. Et moi je me la carte. C'est de 16h au lendemain à 16h, lui il est trop occupé. Allez d'accord. Ok, à fort. Donc voilà comment il a mis le rendez-vous vieux. Alors mardi. Il dit, ah petit, mardi comment? Bon, il y a fort. Moi, je joue la carte de la diplomatie. Moi, je suis en mode ironie. Il a déjà compris un peu le feeling du petit. Et c'est pas Gawa. L'homme qui est chanteur de Bordeaux, il vient directement. On a appelé Defty, il est arrivé Fia. On a appelé Tan, il est arrivé Fia. On dit, toi, viens. Il dit, non, toi, viens. Et le pire, c'est que on a appelé, on t'a appelé avant tous ces derniers-là. Toi-même, tu étais privilégié. On t'a appelé, tu dis, toi, aujourd'hui, là, c'est bizarre. Il dit, je suis au studio jusqu'au lendemain. Tu ne vas pas créer quelque chose. Il est vieux en démentiel. Déjà, on ne va pas se mentir, vieux. Il faut m'envoyer un peu le son. Je vais voir. De t'envoyer, allez, moi, il t'envoie. Ça dit, non seulement départ. Comprenez surtout de par là que quand tu arrives en studio, il y a d'abord le studio que tu payes. Il y a l'arrangeur. Écoutez-moi très bien. Que tu payes, hein, monsieur le juge, tu donnes son âme. Il y a le local. Tu payes le local. Ceux qui vont t'accompagner, les choristes, tu vas les payer. Les musiciens, tu vas les payer. Quand vous arrivez là, ceux qui t'ont fait les eux vont manger. Les transports, tu vas payer. En plus de ça, tu vas payer les cachets. C'est tout un dispositif. Donc, moi, pour ne pas multiplier les dépenses petites, nous, on va t'attendre, comme on explique. Donc, il me dit, quoi, lui, quand il a la vérité, quand il a la réalité du studio, comment nous, on souffre, il n'y a pas de problème. Petit, je suis là, il y a 24 heures.
Et le pire, c'est qu'on n'écrit pas. Pendant que je parle, on n'écrit pas, mais on est au téléphone. Vous comprenez un peu. Le petit me donne rendez-vous le mardi. Ok, à force, ça roule. Rendez-vous mardi, non? Il n'y a pas de travail. Il a compris. Mon travail doit être rendu, ça y est. Juif doit rendre son travail le lundi. Il dit, ah, petit, tu ne mets pas le mardi. Mais le travail, il doit rendre ça le lundi. Nous sommes au samedi. On fait comment? Puis il dit, vieux, c'est mardi, son maman, il pleut. Je comprends. Il n'y a pas de souci. On est entre nous, vieux pain. Moi, j'étais soutenu tout le temps, de 2016 jusqu'à arriver en 2022. J'étais soutien. 5 ans, j'étais soutien. Odia vient de toi. Tu me dis, non seulement tu n'es pas là. Il dit, ben, tu es occupé. Ok, tu es occupé de 16h au lendemain à 16h. Champion en pénal, c'est respecté. Tu me dis de t'envoyer le son. Moi, il n'est qu'à t'envoyer le son. T'envoie le son comment? Juste va extraire le son spécialement pour toi. On t'envoie un morceau qui a l'état squelettique. On t'envoie ça spécialement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Champion, la logique voudrait que toi, tu te déplaces, tu viens, tu prends information de la musique là. Si tu veux, tu fais des petites vidéos, tu vas travailler. Au moins pour mon respect, tu vas, tu travailles à ça, puis tu reviens en force, unifié. Après, tu dis, ok, let's go. C'est-à-dire, toi, mais depuis ta position, moi, dévoré ta peine. Non seulement tu ne viens pas. Et même le lendemain, encore, tu ne viens pas. Le père, c'est comment bien. Tu fixes une date. C'est-à-dire, selon toi, ton inspiration, si projet des gens, toi, tu dois t'inspirer. Il n'y a pas de problème, on a compris. Mais le travail doit rendre ça lundi, au lieu de mardi. On fait comment? Vieux, c'est ce qu'il peut faire, c'est ça qu'il m'a dit. Mais ça veut dire tout dit. On n'a pas bien de se fatiguer. Il dit, il a compris. Donc, dimanche arrive. Ah, le vieux, c'est comment? Envoie-moi le son. Il t'envoie le son comment? Il t'envoie le son comment? Il t'envoie le son comment? On est à samedi. Il a déplacé tout le dispositif. Tout le monde est là. On t'attend. Tu lui dis, tu ne peux pas venir aujourd'hui samedi. J'ai perdu. J'ai payé les gens. Il y a fort. Dimanche, il fait revenir les gars. Tranquillement. Ah, petit, c'est comment? Ah, le père, tranquille, un vieux. On a déjà validé. Mardi, il dit, mais petit, c'est lundi. Il doit rendre le bar. La logique voudrait que ce soit des gens, ah le vieux, ok, à force, je vais faire un effort, j'arrive. Vu que quand moi je prends une séance, c'est 24 heures. C'est-à-dire même s'il arrive à 10h, c'est le lendemain, à 10h, il sort du studio. Tu n'as pas me dit que tu es occupé encore ce dimanche, ou bien soit le lundi encore 24 heures. Il fait exprès pour te parler, même pour t'envoyer les coucous. Comment ça se passe? Alors voilà, comment le petit va se donner à un genre? Quand on demande, dis-moi que ouais, c'est le professionnalisme. Alors quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, c'est les professionnalistes. Bon, ok, tu n'as pas dit chanter à Youssoufa, là, les professionnalistes, ça va t'attendre quoi. Ouais, tu as eu quoi? Ouais, tu as chanté à Youssoufa. Tu t'appelles suspect tous les jours, tu parles mal des femmes, des insultes, au transport, des mines tranquillement. Bon, à part ça, là, oui, toi, chanter, tu vois, à part ça, oui. Bon, donc, oui. Tu t'appelles suspect, oui. Donc, comprenez surtout de par là que je suis passé par tous les moyens. Vous savez, moi, des modèles aujourd'hui. Le vieux père Salfo, ou soit Gadi Seri, il ne va pas m'appeler. Le jour où le vieux père Gadi Seri m'a appelé pour lui demander, viens faire featuring avec moi. Et vous jure que je n'ai pas entendu. Premier bac, il est sauté dedans. Fawan ici chez le père, ici assis. Featuring à 23, je suis arrivé à 10h chez le vieux. Oui. Parce que c'est un rêve. Mais la peine qu'on est suspect, il vient se jouer de Jésus-Christ sur la toile. Pour qu'on ait une sorte de compassion pour eux. C'est blanchi. Comme Devoro, ça fait de Moussia. Ah non, lui, c'est un artiste comme ça. Lui, il aime trop ses trucs tranquillement. Non. Et on dit, quand ça commence, j'ai toujours l'air de celui qui est en faute. Mais à la dernière minute, tu comprends. Ton grand frère t'appelle pour dire, viens, tu vas faire son palabre. Toi, tu lui demandes, c'est quel style de combat il est en train de mener. Ah, champion! Il n'a qu'à t'envoyer vidéo de son combat là. D'abord, toi, tu as voix, parfois, toi, tu es intervenu. Et le pire, c'est que toi, ton grand frère est en combat. Toi, tu lui dis, il n'a qu'à remettre le combat au mardi. Champion, tu es dans quel giga? J'essaie en train de faire ma grosse lessive. Toi, tu as me demandé, moi, de t'envoyer le style de gym qu'il doit la vie, de jouer la vaisselle. Toi, il t'envoie. On n'a qu'à prendre ses respecter. Le jour ton papa te fait, toi, le jour ton enfant que tu as mis au monde, ou bien le jour ton propre frère te fait ça, toi, tu peux accepter ça de toi, mon toi, internaute qui me regarde. Tu peux accepter ça, tu peux comprendre ça. Moi, il a compris ça, il a compris automatiquement, mais je joue le petit. Il n'y a pas de problème. En fait, quand le petit m'appelle, il dit oui, t'inquiète pas, c'est juste même qui joue au con. Et puis, il me demande toujours en esprit, mais il faut m'envoyer le sang quand même. Il dit oui, j'ai compris, d'envoyer le sang. J'ai compris. C'est le sang que tu veux, non? C'est le sang que tu veux. Je vais t'envoyer. Il ne faut pas te presser, je vais t'envoyer le sang. Je vais t'envoyer le sang. Bon, le premier jour qu'il est parti faire, le jour où il est parti faire featuring avec Jano H. Bello, bello, elle est trop pâte. On m'a donné 10 000 essences graines. Sa productrice m'a donné 10 000 essences graines. 2 000 dessus pour tripot. 10 000 pour merci moi, 2 000 pour très pauvre. Tous les featuring qu'il fait, c'est les featuring les plus pauvres.
Mais les Latins ont tout eu succès. Parce qu'ils ne me payent rien, ils ne me donnent rien. Parce qu'il n'est pas bien de ça. J'aime aider les gens. Je suis là pour les gens. Oui. Il y avait un featuring ici, un petit Roma Chiaya. Petit là, à compter, là, il m'a dit, tiens, il ne me prend pas. Non, ça, il me prend pas. Il va attraper. Moi, je n'ai pas bien de ça. Petit prend, il peut transporter, parti, puis on va aller. Mais Roma Chiaya. Une fois, étant en boîte, j'ai essayé de m'amuser un peu à la galerie tranquillement. Le petit, on l'a appelé pour faire démo de détournant. On l'a appelé, on dit, Roma, fais-nous une démo de détournant. Il n'a pas apprécié, il ne fait pas. Mais il m'a trouvé au studio, il m'a dit de Bordeaux, ah, le père, il faut séancer tranquillement. Je veux que tu chantes un de mes trucs tranquillement. Il n'y a pas son manager. Mais il n'y a pas de souci, j'ai chanté. C'est après, monsieur, il m'a appelé que, ah, le petit, là, il n'avait pas chanté son mouvement. Il dit, bon, ok, c'est pas grave, c'est pas passé. Mais il a sorti dodo. Jamais il m'a soutenu, c'est pas un souci. Moi, il n'y a pas de problème avec sa featuring. Toi, bien et moi, au studio, il vient chanter parce qu'il me dit, non, que ouais, la culture, on doit avancer. Les problèmes des go, des quoi, on va quitter dedans, laissons ça. Champion, musique là, tout le monde a besoin de tout un chacun. Aujourd'hui, tu as bien de telle couleur, demain, tu peux avoir besoin de ma couleur. Quand aujourd'hui, là, il fait une dodo, ça tue. En moins de 6 jours, boum, toute l'Afrique est debout.